thought you said you killed him. It was a very brief reprieve. We raided the agency a few days ago. You got him at his office? No. But the office has been closed and will not open again. You got the Ortmeier files? They're still in circulation. But we learned that the files are almost entirely useless without a fresh bone marrow sample from 47. So even dead, he's a threat. Only until he's cremated. About 20 minutes from now. How'd you finally get him? He got overconfident and greedy. He took on the most difficult, most highly paid assassination attempt in history. The presidential attack? The very one you asked about at the start of our conversation. Ready to hear how it really went down? We're all quite pleased to have you on this assignment, Mr. 47. The nation's gratitude... Skip the patriotism, Smith. Of course. Have you read the briefing? Not yet. Give me the big picture. The Vice President of the United States is plotting with Mark Parcheesi. I assume you're familiar with him? I know his work. Good. They're planning to assassinate the President as soon as he gets back from Los Angeles. Another drink, sir? Please. There's more detailed info on both men in the briefing. Can I do anything else for you? I'm looking forward to finally working with you. I'll contact you if I need more information. Beyond that, never contact me in person again. Ok. Sorry, gentlemen. My niece's birthday. Happy birthday, sweetheart. Did you get your present? It's everything I've ever wished for. My own access card to the White House. Is the roof alarm taken care of? Yes, Pumpkin. Everything is just fine. I'm afraid Uncle has to go now. I'll call you back later and we can talk all about your party. You know how. Donc lui c'est le vice-président et l'autre c'est Mark Parcheesi 3, si j'ai bien compris. Écoutez-moi, 47. Voilà. Le président des États-Unis est sur le point d'être assassiné. La CIA, le FBI et les services secrets sont censés empêcher cet assassinat. Mais on ne peut pas compter sur eux. Non, on ne peut pas compter sur eux. L'homme derrière cet attentat est le vice-président en personne. Le même groupe qui a réussi à le faire nommer à la vice-présidence veut désormais le propulser dans le bureau ovale. Ils ont des contacts dans chaque administration, et les assassins sont déjà sans doute en position à la Maison-Blanche. Si vous n'intervenez pas, le président sera certainement assassiné dès son retour de Los Angeles. Vos cibles sont le célèbre assassin Mark Parcheesi III, et le vice-président lui-même. Bon. Bah ok, hein. J'ai pas embarqué le fusil, j'ai juste embarqué les Silver Banner. Ça va être long, hein. Et on va attendre, on peut poser une bombe et boum. Posez vos affaires sur le tapis, puis passez par ici. J'essaie de balancer dans la poire. Oh, oh putain, outrage à l'avant tout de suite. Oh mon dieu, j'ai si peur.
J'ai dans cette pauvre petite pièce outrageuse, allez, pan. Oh, attends, j'ai une idée. Je vais attirer leur attention. Et bon pour faire ça. J'ai vite placé une bombe dans la mallette de la dame. Je vais attendre qu'elle rentre. Et là, c'est un petit feu d'artifice. Eh ben. C'est dur la vie d'être un marine, ça. Bon, il y a un petit spectacle, un petit feu d'artifice, vous savez, ce genre de choses, quoi. Alors, si je prends ma télécommande. Alors, attends. Attends. On attend. Et hop. Bouillon. Désolé mon pote. Excusez-moi, je crois que vous l'avez. J'ai profité de la confusion pour passer. Restez là, j'attends qu'ils discutent. Et puis qu'attendre qu'ils tournent et ça devrait être bon. Comment dire que tu fais ça toute ta vie. Parce que voyons voir. Là je peux pas descendre là non plus. Merde. Ok, donc ça je savais pas, j'ai appris qu'on pouvait sauter d'une échelle. Excusez-moi, mais je crois que vous n'avez rien à faire ici. Ah putain, je suis baillé. Oh, un coup dans le cerveau, ça tue d'un coup.
Je vais essayer de trouver un autre truc, tu vois. Deux choses, hein, la maison blanche depuis quelque temps. Qu'est-ce que je me plante là? Ouais, encore un de moins. Bon bah là c'est cuit hein. Je vois pas comment on peut passer si on n'a pas distrait un gardien. On peut pas passer, on est obligé de rentrer dans la maison blanche. C'est ça le problème. Le problème. Posez vos affaires sur le tapis, puis passez par ici. Madame, bougez plus. Je m'en occupe. Nous allons devoir vous poser quelques questions, madame. Il doit y avoir une erreur. Bien sûr, nous allons élucider tout ça. Oh, c'est honteux ça. Oh, pardon. Bon, je m'en vais, excusez-moi. Excusez-moi, mais je crois que vous n'avez rien à faire ici. Merde. Personnel autorisé seulement. Vous faites ici ? Va te faire voir ailleurs. Flash spécial. Lawrence Quigley, le directeur par intérim du FBI, et vous a été le niveau d'alerte terroriste d'Orange à Rouge à la suite. Allez, d'accord, c'est là que je m'en vais. En fait, il faudrait que j'arrive à traîner son cadavre à lui. Je vais le fixer. Attends, on ne voit même pas tes yeux avec ta casquette. Là. Ouais, on a une puce, mais ça sort juste. Hein. Il y en a un là aussi.
Bon, j'essaie de recommencer, je vois pas comment on peut le faire. Vous, madame, qui aime bien vous tuer. Malheureusement pour les marines, j'avais pas trop le choix. Bon, ça va se faire. Ok. Si je passe par la fenêtre, je peux aller. Passer parce qu'il y a les deux autres qui vont me gêner. Salut papa, c'est mon pote, ça va? Un petit tour en cuisine, hein. Et souris, mec, il y a une photo. C'est moi toi.
trouve un costume d'entrée du musée, pourquoi pas. Cette mission pourrait tellement terminer si il y a un pauvre gars qui se venait, qui se ramenait quoi. Hey, t'as rien à faire ici. J'essaie de chercher du monde. Ouais, sous contrôle, je suis pas sûr, hein, mais... Bon, on va essayer de trouver un moyen de finir cette mission. Est-ce que j'ai encore un truc? Ouais, j'ai ça. Putain, le nombre de balles dans le buffet, c'est impressionnant. Ah, il est au rez-de-chaussée, l'autre, ok. Bon, là, je suis grillé, c'est ça? Non, j'ai peur. Ça va être coton. Oh, j'ai peut-être une idée pour me débarrasser d'une marque Parchesi 3. Je sais où va spawner dans les souvenirs. Alors... seul ou pas? Oh, pardon, je me suis trompé.
Mais qu'est-ce qui se passe ici? Descend au rez-de-chaussée. Oh, ça va être chaud de la finir la mission, mais si on arrive à la terminer, ça va être beau. Bienvenue dans les coulisses de la Maison Blanche, mesdames et messieurs. La 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 la. Ah, mais oui, car. Quand même, regarde. Non, non, t'es pas suspect. Hein. Mais quel labyrinthe. Le célèbre Mark Barchesi, troisième du nom. Me descendez pas, 47. Vous et moi, on se ressemble. Je ne vois pas le rapport. On est presque frères. Vous pouvez pas me tuer. Je peux tout faire si je suis payé pour. Dame. C'est chaud, quoi. Mais bon, t'en fais pas, je t'aurai quand même. Il est parti par la porte centrale. Ah, il est monté, je me souviens. Ok, donc là on suit le chemin. Ensuite, on le trouve, on l'explose et ça y en a. Planqué avec ma télécommande. Ah, juste. Donc, il marque. Un joli pistolet 10 de 1911. Non, je suis alerte là. Alors, si je vais par là. C'était laborieux si ça passe. Tout va bien, je ne suis qu'un pauvre gardien. Ça aurait été long. 4 ou 5, 5 ou 6 tentatives faciles. Bon, je récupère mon costume. Et je me taille. Oui, il y aura des témoins. Oh, il y en a eu 6, ok. Un psychopathe, ouais. Ah,
Allez, hop. Psychopathe du 31 innocent. Bon, allez, on va lire. Daniel Maurice est retrouvé mort. La police pense qu'il s'agit d'un tueur à gages. Le FBI a confirmé que Maurice était innocent du crime et ont été tués. 22 agents de sécurité sont morts. 7 personnes innocentes aussi. Oh la vache, on avait un beau bordel. On va enregistrer, allez, on se range. Je crois que c'est l'avant-dernière celle-là. Hein. Allez, on va se rendre jusqu'à la dernière.